Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4. Et je voulais vous montrer un petit truc. Alors, avant... ça c'est quoi ça? Ouais, ça c'est normal. Ok, juste un petit truc. Il y a enfin restauré l'Empire Romain qui est apparu. Alors, je sais pas quand ça apparaît. Peut-être quand on a quand on a bien avancé. Parce qu'au début, il y est pas, je crois pas, hein, honnêtement. Donc, c'est tout nouveau. Enfin, en tout cas, je l'avais pas vu jusqu'à présent. Et on a une liste hein, assez impressionnante, qui est pas trop compliquée. Hein. Bon, il y a l'Italie, c'est fait. La France, ça va être fait. La péninsule ibérique, c'est bien engagé. Les Balkans, ce sera fait. Et les deux derniers. Alors, les deux derniers, j'étais un peu surpris. L'Anatolie, j'étais au courant. Il n'y a pas de souci. C'est là. Et puis après, il y avait Machrek. Alors Machrek, j'avoue, je savais pas où c'était. J'ai cherché, je me suis dit, bordel, c'est quoi Machrek? Je me suis dit, c'est peut-être le Maghreb, j'en sais rien. Non, c'était pas le Maghreb. En fait, Machrek, c'est ici. J'avoue que je savais pas du tout. Et là, je suis un peu... j'ai un peu avalé de travers, quoi, parce que... j'ai pas vraiment avancé dans cette direction, et ça représente quand même pas mal de provinces, finalement. Je les ai pas comptées, mais... ça va être compliqué, hein. Je sais pas... non, je veux pas les compter, ça me fait trop mal au cœur. Mais du coup, dans ma guerre contre les Ottomans, là, j'ai beaucoup à faire. Et je sais pas trop comment ça va... comment je vais pouvoir faire ça. On verra, mais... je pensais être bien de nouveau. Je croyais avoir rattrapé grosso modo mon retard, mais pas vraiment. Bon, après, il y a des villes comme Tunis, c'est fait. Il me manque Fès. Londres, c'est fait. Le Zealand, ce sera fait assurément. Et il y a Vienne aussi, donc il faudra que je fasse de nouveau la guerre contre les ce que j'appellerais les nouveaux Autrichiens, parce que ils ont été reformés. Alors, il va falloir que je monte mon espionnage sur les Ottomans. J'ai pas de diplomate, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? La Moscovie, du coup, pour l'instant, on va un peu abandonner. C'est plus trop à l'ordre du jour. Ok, j'ai remporté Cambrai. C'était les rebelles qui l'avaient. Là, je peux pas trop avancer à cause des forts. Ok, donc c'est reparti sur les Ottomans. J'ai beaucoup de boulot à faire. Alors là, je perds de l'argent. Ouais, j'en perds pas beaucoup. Hein. 12 pièces d'or, honnêtement, ça va. Mes navires vont pouvoir sortir pas tout de suite, d'ailleurs. Là, je peux même pas faire le siège tellement ils sont forts. Là, j'espère que j'ai mis un leader au moins avec des stats en siège. Ouais. Je suis pas très doué pour l'instant. Pour ce... oh merde, 96 000. Il va falloir aider un peu, je crois. Ceci dit, j'ai peut-être pas amené assez d'hommes. Là, ils ont ramené le paquet. Je crois qu'on va venir en marche forcée plutôt parce que même avec les renforts, on est quand même relativement loin. Ouais, bon, j'ai beaucoup de renforts de dispo tout autour. Ça devrait bien se passer. Voilà, là je prends l'avantage au fur et à mesure. Alors là, est-ce que je vais avoir ce qu'il faut pas trop loin? Ouais. Ok, faut que je surveille les révoltes. C'est vrai qu'il y en avait pas mal qui montaient comme ça. Trentin encore, sérieux. Pourquoi Trentin, ils sont excités comme ça? Trentin. Ah oui, je sais, c'est parce qu'ils sont dans l'Empire, il faut absolument que je les retire. Donc, instabilité, 5 de prestige, mon esprit public de l'esprit des lois. Donc, je suis tout à fait partant. J'ai pas une stabilité extraordinaire. Normalement, je devrais être à 4, à 3 à ce moment-là de la partie, honnêtement. Et là, c'est vraiment pas extraordinaire, mes stats. Bon, ça m'a coûté bien cher. Je pense qu'il y en a une certaine quantité qui vont tout simplement repartir. On va échanger avec des armées toutes neuves. C'est l'avantage que j'ai par rapport aux Hollandais, c'est que moi, je peux repartir avec des armées toutes neuves assez rapidement. Ils mourront pas à l'usure, ça c'est clair. Ok, ça je vais replier.
Et les 3 ou 4 qui sont vraiment bien bien amochés peuvent repartir. Ouais, ça malheureusement pour l'instant j'y peux rien. Je surveille, j'ai fait 13 avec la Castille, ça va pas suffire. L'Espagne, pardon. Ça va pas suffire dans l'immédiat. 65, sérieux, ça n'avance pas. Je suis impatient de pouvoir sortir quand même parce que. Ils ont quelques bateaux. Ouais, c'est quand même problématique les effectifs. Je suis quasiment à zéro. Ouais, ils sont déjà revenus, c'est bien. On va de nouveau se battre. Je pense qu'ils vont s'arrêter là, ouais. On va y aller avec 60 000 hommes. Ah, allez, 80. Pour être sûr d'être à 1 contre 2. Ouh, ça porte un gros coup à son armée. Il a tout perdu. Ça m'a pas vraiment coûté d'hommes à moi. Là, je pense qu'il a plus grand-chose parce que. Là, il a 69 000 hommes, il a plus d'effectifs. Donc, les choses vont commencer à être tendues pour lui, je crois. Alors, est-ce que je peux légitimer? Ouais, parfait. Ouais, je vais prendre la mer. Non, j'attends vraiment d'être à 100, je pense. Je vais pas prendre le risque de perdre des navires, ce serait dommage. Et merde, il m'attaque par là. On va prendre le meilleur en manœuvre. Le 30 juin, le 30 juin, je sais pas. Est-ce que j'y échappe ou pas là? Ce serait juste le temps d'aller chercher un leader en fait. Ouais. Voilà. Et de revenir. Je peux enlever. Ah bah finalement il est. Si, il va arriver le jour d'après, donc c'est parti, j'attaque. Le 3 juillet. Par contre, on va être peut-être pas assez, je vais ramener plus de troupes. Je pense que mes armées sont vraiment bien en fait. Enfin, là on est un peu juste, mais. À 1 contre 1, on est quand même un tout petit peu juste peut-être. Alors là, je pense qu'il y a des armées qui ont bien souffert parce qu'elles se sont battues seules pendant un certain temps. Donc on va les échanger avec ces deux-là. J'ai toujours des remplaçants, hein, c'est l'avantage. Ah, donc là, on arrive vite fait. Ici, je pense qu'on est arrivé aussi. Ah ben, il n'y a plus de révolte. Ah, ils sont repartis. Ah d'accord, bon bah c'est cool. Je sais pas, honnêtement là j'ai pas trop fait gaffe. Peu importe. C'est pas le sujet du moment, je dois dire. Le sujet du moment c'est d'aller prendre Zealand là. Ouh, ça c'est bien. Rousseau publie son contrat social, 10 des diplômes, 25 des diplomaties. J'en ai toujours besoin. Bon, par contre le prestige évidemment, ça me sert pas trop. Donc là j'ai l'impression que mon siège est reparti à zéro quasiment. Ouais. Par contre, il a peut-être moins de troupes, à peine. Non, il a tout ce qu'il faut. Pas de mariage royal, évidemment, avec quiconque dans l'immédiat. Ok, j'ai repris ma province. Ouais, je suis bientôt dans le négatif, hein. Ça va être chaud ça. Ah, oui, donc là j'ai pris la mer, ce qui va augmenter quand même la rapidité de mes sièges, mais rien de transcendant, j'avoue. Il me faut absolument un commandant avec un en siège. Oh merde, leur voilà. Ils sont nombreux, il va falloir que je vienne. Non, heureusement, les routes sont quand même assez courtes. C'est des petites provinces où ça circule bien, entre guillemets. Donc, voilà, à chaque fois j'arrive à intervenir à temps. Ok, je vais envoyer plus d'hommes. Donc là, je pense que la prochaine fois, il va revenir par là, peut-être.
S'il a de la suite dans les idées, il change de côté à chaque fois. Il tente, hein. Ah, il a de nouveau perdu toute cette troupe. Deux de mercantilisme, ouais, je prends plutôt ça, hein. Honnêtement, j'en ai rien à cirer de mes relations avec ces deux pays. Ça n'a aucune importance. Bon, ce qui me déplaît fortement, c'est quand même la durée des sièges. Un fort niveau 9, hein. Compliqué, hein, le fort niveau 9, j'avoue. Je vais prendre mon roi. Ok, c'est parti. Ouais, si je fais pas de siège, je peux pas prendre de. Je peux pas signer de paix, hein, ça c'est clair. Je vais peut-être être obligé de donner des assauts, même si ça m'arrange pas du tout, évidemment. C'est jamais très bon. Je perds quand même pas mal d'argent en fait là. J'ai pas regardé. Est-ce que mes navires continuent à travailler? Je crois pas que j'ai coché la case. Hein. Ouais, ils continuent à travailler. Bon, par contre, j'aurais bientôt annexé. Ça c'est plutôt cool. J'aurais bientôt annexé. Comment s'appelle? Constantinople. Ça va diminuer mes revenus pendant un temps évidemment, mais c'est pas très grave. Parce qu'en fait, ça, toutes ces provinces vont arriver avec une autonomie. En plus, est-ce qu'elles sont catholiques toutes? Est-ce qu'ils ont tout converti? Ouais, ils ont rien converti. Hein. Ils ont en tout cas pas grand-chose. Hein. Pourtant, eux-mêmes étaient catholiques, mais ils ont pas trop fait de. Ils ont peut-être un peu de mal, hein, s'ils ont pas assez de puissance de missionnaires, évidemment. Ça n'avance pas. Là, je vois qu'il y a pas mal de troupes qui arrivent. Je les ai vus grâce à mes navires. On va se réunir parce que elles me semblent assez nombreuses. Ouais, 74 000. Heureusement, j'arrivais. Ah, bah, il y a 27 000 hommes de Lisbonne là. J'espère qu'elles vont, que ces troupes vont intervenir. Ah, j'ai réussi un siège. Ça c'est cool. Mais j'ai peur qu'il ait amélioré tous ses forts. Hein. Alors celle-là on va pouvoir attaquer aussi. Pas de raison de lui laisser un répit quelconque. Alors par contre celle-là elle peut rentrer chez. Non, celle-là elle va rester. C'est celle-là qui doit rentrer chez elle. Ah, je m'embrouille. Il y a. Les provinces sont toutes petites et là il commence à y avoir beaucoup de troupes en fait. Ok, ok, j'ai encore détruit une armée là. Tiens, les forts ont l'air un peu moins montés là. Celui-là il est que de 4. Celui-là est 8. Mais non, mais c'est celui-là qui est impressionnant. 9. Je savais pas que ça existait le niveau 9 en fait. Ouais, je vais peut-être donner l'assaut hein. C'est chaud quoi. Non, faut que je réussisse des très bons coups de dés, j'ai pas trop le choix. Hein. Faut que ça. Il faut que j'ai de la chance. Ouais, ça c'est pas terrible, mais ça me fait quand même gagner un niveau, ceci dit. Là je peux pas avancer, hein. Ah si, en bateau, mais. Ça me rassure pas trop d'avancer en bateau. Ça, j'ai l'impression que c'est encore un fort niveau 9 ou 8. Ouais. Ah non, c'est 8. Pourquoi il me dit 9, là? Ah, c'est la capitale. Je suis con, moi. Oui, forcément, c'est la capitale. J'avais dit qu'elle était placée juste à côté de moi. J'avais oublié ce détail. Bon, mais j'ai l'impression qu'en avançant dans les terres, là, on va... Ce sera plus facile, donc... Du coup, c'est vrai que ça donne un truc assez énorme. Hein. Niveau 9, très impressionnant. Voilà, j'ai fait un bon score de dés, mais ça n'avance pas. Hein. Je sens que cette guerre va être longue. Et là, j'ai atteint le 0.
Là, je crois qu'il en a marre de venir, là. Oh, j'ai dû faire un très bon score, là. 10, ouais. Je vais vraiment pas insister sur cette guerre. Maintenant que j'ai l'événement Romain Empire, là, Empire Romain, je sais exactement ce qu'il me faut. Oula, déjà. Ça, c'est cool. 14. Ouh, c'est bien, ça, c'est bien. Alors, bah, du coup, là, vraiment, la France commence à prendre de l'envergure, hein, je dois dire. Je pense que Mare Nostrum a dû bien progresser tout d'un coup. J'ai 132 provinces. Non, j'ai 132 requis sur 133, donc en fait, le seul requis qui me manque, c'est l'Empire romain. Et ben voilà, comme ça, je suis fixé, je sais ce qu'il me faut. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, je vais détruire un ou deux forts parce que par exemple, celui-là, j'en ai pas besoin. Il suffit que j'ai celui d'en face là. Celui-là non plus. Ok, celui-là par contre, il m'intéresse pour bloquer le passage. Ok. Bon, eh bien, j'ai tous les requis sauf l'Empire romain. Voilà, c'est dit. Je sais à quoi m'en tenir. Encore un nouvel empereur issu de Brandebourg. Sérieux, ça avance pas ce siège. Ah, l'ennui c'est que mon pays a énormément grossi, donc il faut que je donne des provinces. Ah là là, il va falloir que je crée les États aussi. Ah ça, j'en ai beaucoup à créer, je pense, tout d'un coup. Ah non, c'est vrai qu'ils sont créés automatiquement sur les colonies. C'est bizarre, je me souvenais plus de ce détail. En fait, faut que je crée toutes les provinces que j'ai prises précédemment aux Russes, aux Ottomans, à droite, à gauche, quoi. Ok, c'est bon. Ok. Du coup, ça m'a coûté pas mal de points, puisque j'étais en train d'intégrer deux pays. Ceci dit, je vais aussi finir Lisbonne. Donc ça, c'est cool aussi. Et j'ai oublié un détail, il faut que je donne des provinces. C'était ça le but. Au clair, au noble. Ouais, je crois qu'ils vont en vouloir beaucoup, parce que vu la taille du pays qu'on vient d'intégrer, c'est assez énorme. Ah, j'ai pas du tout parlé pendant ce let's play de commerce et de tout ça, j'avoue que je sais même pas ce qu'il en est de la domination des marchés. Je vais regarder ce que ça peut donner quand même. Ça m'étonne que j'ai pas eu plus de messages que ça. En commerce, ressources stratégiques, j'ai pas vu beaucoup de messages passer. Bon, j'ai le vin, ça je l'ai vu. Étoffe, je m'en souvenais plus. Sel, je m'en souviens. Céréales, je m'en souviens. J'avais pas vu laine. Laine, on l'a pas eu le message. Modif limite navale. Coût de conversion culturelle. C'est le poisson qu'il me faudrait. Ah non, conversion culturelle, pardon. Non, je dis bêtises. Bon, pour l'instant, j'avoue que c'était pas vraiment le thème du let's play. Donc c'est vrai que j'ai absolument zappé ça. Et encore un niveau. Là, il me faudrait vraiment un bon score de dés. Je pense que un 10 ou 14 ça passe largement. Ok, donc là ça m'intéresse pas trop, j'avoue, c'était pas la direction dans laquelle je voulais aller. Moi, ce qu'il me faut, c'est Zealand ici, donc et là j'ai dû faire un bon score, mais pas assez. Par contre, je suis au maximum. Donc maintenant, à chaque cycle, j'aurai une chance sur trois de réussir le siège, mais pas plus. Ça montera pas plus haut mes chances. Je vais aller à Zealand parce qu'il faut que il faut que ça avance. J'ai pas trop le choix. Surtout que je me dis que le fort doit être relativement élevé. Il est 8, ouais. Avant d'y aller, je vais prendre soin de mettre 60 000 hommes. C'est quoi cette armée là? C'est pas à moi ça, sérieux. Ça faut que je le refasse, c'est pas correct.
Je vais prendre soin de mettre 60 000 hommes dans la flotte parce que je sens qu'on va être enquiquiné. Il y a pas mal de troupes. Donc là, je vais prendre les impôts plutôt, peu importe. Oh merde, ils viennent là. Ça, je pensais pas. Va être obligé d'interrompre les sièges. Je vais pas interrompre celui-là, il est trop important. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah merde, j'ai annulé mon mouvement, putain. Ah, quel boulet, j'ai pas cliqué sur la bonne armée. Ah, ça me saoule. Bon, du coup, maintenant ils sont 86 000. Bon, c'est pas ça qui va me faire peur, ceci dit. Mais c'est absolument pas ce que je voulais faire, évidemment. Je vais attendre le début du mois. Et merde, non. Il m'en donnera pas l'occasion. Bon, bah en fait, du coup, c'est un peu le bazar, il faut bien l'avouer. Je suis obligé de ramener des troupes. Peut-être ramener celle-là aussi. Bon, là, je pense qu'on est gagnant avec les renforts qui arrivent, mais Lisbonne est intégrée. Merci. Et merci. Donc, on va aller cette fois sur Zealand. Non, faut pas que j'arrête le siège quand même. Ah, Brabant est tombé. Donc, en fait, peut-être qu'on n'a plus besoin d'y aller par navire. Non, on peut y aller à pied. C'est bien ce qui me semblait. Bon, le siège de Zealand va être très important. Ça, c'est les trêves qui s'achèvent avec l'Angleterre, je crois. Là, je vais ramener 20 000 hommes ici. Là, je vais enlever ceux qui ont trop souffert. Bon, les Ottomans, on s'en fout, honnêtement. Ah, ceci dit, s'ils sont beaucoup, ça peut être gênant. On verra, mais ça peut être une coalition un peu gênante, c'est vrai. Ceci dit, l'Espagne. Bon, on verra. Les clercs ont toujours pas assez de territoire, sérieux, ils sont gourmands. Hein. Ah, j'ai pris la capitale. Ah, du coup, je veux juste Zealand, quoi, pas plus. J'en veux pas plus. Ok, par contre ça va être long. J'espère que j'ai pris mon leader qui a une stat en siège. Non, même pas. Ah non, il était occupé, pardon. Donc on va le remplacer, on va mettre celui-là là. Et on va... Tiens, faire je l'ai. Et celui qui me manquait aussi, c'était quoi déjà? Je me rappelle plus. Et on va enlever celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là qui a pas de stat en siège. Donc qui grosso modo me sert à rien. Non, j'espère que j'ai pas trop d'attrition là, que mes troupes vont remonter un peu. Et j'espère surtout qu'il va renoncer à se battre. Alors, question navire, j'en suis où? Parce que j'ai dû en... Ouais, j'ai explosé ma limite là. Ce que je peux déjà faire c'est... C'est quoi ça? Ah, sérieux, c'est n'importe quoi. Je vais regrouper tout ça. Je vais détruire les transporteurs puisque j'ai ce qu'il faut. Ok, ça c'est une chose. Alors, je vais prendre les navires de commerce que je vais mettre sur, peu importe, Venise, on va dire. Voilà, ça c'est autre chose. Et là, je pense que je vais détruire pas mal de galères, j'en ai pas besoin. Remarque 18, je vais toutes les détruire. C'est parti, 46 quand même. Constantinople avait fait beaucoup beaucoup de galères. Ça va un peu me soulager financièrement parce que c'est vrai que je trouvais que je gagnais plus beaucoup d'argent honnêtement. D'accord, celui-là ne m'intéresse pas trop, j'avoue. Je vais quand même continuer, mais. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Ah putain, raté. Et merde, le revoilà. Le revoilà. Ou alors,
J'arrête la guerre ici, et l'avantage c'est que maintenant je vais pouvoir faire une revendication sur Zealand. Parce que normalement j'en ai pas de revendication sur Zealand. Ouais, ceci dit, il m'en manque plein de revendications. J'étais sûr de les avoir faites, mais... Pas du tout en fait, d'accord. C'est étrange ça. Ah non, j'ai pas pu les faire parce que j'avais pas de province frontalière. Ah putain. En fait, j'avais juste... Là, il y avait Hainaut qui me bloquait le passage. D'accord, c'est pour ça. Donc j'ai fait aucune revendication, grosso modo. Tiens, j'ai fait un haut fait. All your trade belongs are belong to us. Je sais pas du tout ce que c'était. Ah, on peut plus voir en plus, je crois. Ah si, c'est là. Ah, pas mal celui-là. Alors il faut avoir le plus gros trade power dans Gênes, Venise et le Channel, la Manche. Et avoir plus de 300 de revenus. Ah oui, 300 de revenus. Pas de bénéfices, hein, 300 de revenus. Ah bah c'est cool. Bon, sur ce, je vais vous laisser et vous donner rendez-vous demain, bien sûr, pour la suite de ce Let's Play.